Et bonjour, donc nous voici cette semaine, enfin cette semaine, pas longtemps que j'ai fait la review du petit mental épique. Ouais, on enchaîne plein de Voilà, reviews on là. enchaîne plein de vidéos. Alors ça fait longtemps qu'il me tanne pour le faire, Ouais. et là il a le sourire parce que enfin je fais son Ben tour non, qu'il mais adore. c'est pour vous prouver que ça fait longtemps, regardez la tête que j'ai maintenant et regardez la vidéo qu'il y a sur le site. Depuis donc le temps que je fais cet effet-là, parce Ouais, tu le que faisais bien avant en plus. bien avant, mais en plus voilà, regardez la différence. Je pense qu'il y a déjà quelques années. Donc c'est mais voilà effectivement pourquoi on le fait pas, bah C'est dur, parce que j'en ai ici que trois ouais on là. n'en a pas beaucoup à la base à chaque fois et je crois qu'effectivement on n'en a que trois et il n'y en a plus, c'est ça? Ben, à chaque fois que j'en Si? prends, dès qu'il y en a, je prends D'accord. et à chaque fois il n'y en a plus. Voilà. Donc J'allais le retourner, je me rappelle même plus, je vais pas le retourner parce qu'il y a le trucage derrière. j'arrive pas à en avoir d'avance beaucoup. Voilà. Donc alors pour moi c'est vraiment mais un truc mais vraiment vraiment très très bon. De toute façon forcément si je le fais et que vous voyez depuis combien de temps je l'ai fait, c'est que forcément j'aime le tour. Donc ça s'appelle Flash Restauration. Donc c'est une routine de Dean Deal mais c'est fabriqué par Joe Porper. Donc pour ceux qui connaissent Joe Porper fait des choses, il y a beaucoup de choses qui sont basées donc sur l'usinage. Donc après je sais pas si c'est lui qui fait personnellement, mais à chaque fois qu'on entend Joe Porfer, c'est des trucs qui sont super bien usinés, qui souvent coûtent cher, mais c'est des bons produits. Alors la routine, ben, c'est une routine de restauration de papier, donc qui se fait sur une petite aiguille comme ça en laiton. Enfin, laiton, le manche est en laiton, le corps est en acier. Donc il y a que ça, tout simplement, qu'une petite aiguille. Donc ça, c'était juste une petite boule pour pas qu'on se pique. Voilà. Et C'est vrai que le matériel, il est ah simple. ben, il est C'est simple, simple, ouais. il y a que ça, voilà. Et l'idée, alors pour ceux qui connaissent le papier de vérité de Durati, c'est exactement en fait la même routine. Mais c'est l'objet, alors l'objet est truqué, hein, il va travailler pour vous. Donc l'idée du papier de vérité de Durati, c'était tout simplement quoi? C'est en arriver avec une petite feuille, ou une grosse feuille, mais bon, moi c'était un truc qui faisait A5, un truc comme ça. On faisait une boulette, tout simplement, on la posait sur le dos, enfin le pied d'un verre à ballon ou d'un verre classique. On enflammait cette boulette, il se créait un gros flash. Et alors que la boulette était toujours en place, hein, et quand on faisait déplier ça par le spectateur, on avait une inscription d'une carte choisie, où ça pouvait être un mot, le dessin d'un sigle ESP qui avait été choisi. On pouvait mettre ce qu'on voulait dessus. Donc c'est un effet qui est vraiment très très beau, qui m'arrive encore de faire, même très souvent quand j'ai pas ça qui est sur moi, parce que c'est vrai que dans ma mallette, il y est. Mais quand j'ai pas fait la préparation, du coup, ça m'arrive de faire autrement. Mais ça, avec ce papier, ben, vous allez faire exactement la même chose, mais devant le spectateur, sans aucune manipulation. C'est-à-dire, vous allez créer le même effet. Alors, bien sûr, avec un papier plus petit, avec ce type d'objet, on va utiliser une feuille de papier de soie qui fait 5 par 7, ou 7 par 7, suivant comme vous allez le faire. Et l'idée va être vraiment très très simple. On va donner cette feuille au spectateur, on va lui demander de la plier en deux, de la déchirer, de faire quatre petits morceaux. Donc il n'y a rien sur la feuille. Oui, il y a rien sur la D'accord. feuille. Bon, ça, c'est l'idée de base de la routine, hein. Donc, il a fait vraiment quatre petits morceaux. Nous, on tient juste la petite aiguille. On va lui demander d'enfiler, comme sur un pic à brochette, les petits morceaux de papier. Donc, on les voit, hein, ils sont déchirés, ils sont au nombre de quatre. On va venir prendre ces papiers comme ceci, faire une petite boulette en fait sur la tige, donc les froisser tout simplement. On peut donner la tige au spectateur. Donc on décale un petit peu la petite boulette parce qu'il va avoir une grosse flamme, mais ça il ne sait pas. Lui il tient la tige, on enflamme ses papiers, fou, donc il va se créer vraiment une belle flamme. Mais le papier est toujours sur la tige. On va lui déposer, hop, le papier comme ça dans la main en le sortant comme ça. Il va le déplier parce qu'avec la chaleur le papier s'est rétracté. Il va le déplier, en fait la feuille qu'il avait lui-même déchirée va se reconstituer en fait dans ses mains puisque ils n'ont pas bougé de la tige en fait, hein, au final, hein, il les a mis là, on a fait une boulette, on a chauffé, boum, ça a brûlé. Puis finalement le papier il y est toujours, on dit que donc il s'est créé un effet magique, le papier s'est contracté sous l'effet de la chaleur, ce qui est Crédible. théoriquement crédible effectivement.
enfin, même si à la base, quand on chauffe, plutôt ça dilate, mais bon, là, c'est l'effet inverse, hein, il n'est pas censé connaître la physique du papier, la chimie du papier. Il enlève lui-même, il déplie, effectivement, les papiers sont reconstitués, donc ça reste vraiment quelque chose de vraiment de très magnifique. Moi, j'ai juste rajouté une inscription, en fait, donc qui est fait, je le fais avec une allumette, comme si mon papier était brûlé. En fait, je mets le nom d'une carte, tout simplement, donc je reprends l'idée du papier de vérité de Durati. Je fais choisir une carte, je la retrouve pas, bon ben finalement je dis ben tant pis, hein. Je passe à autre chose, il met les petits papiers dessus, il enflamme, hop, le papier s'est reconstitué, il déplie, et quand il commence à le déplier, je l'arrête, je dis au fait, c'est bon, le papier va se reconstituer, vous avez compris, ça c'est déjà très très fort, mais vous rappelez que tout à l'heure je vous avais fait choisir une carte, oui, je me rappelle plus ce que c'était quoi au fait le nom de votre carte? Le 4 de carreau, ok, très bien. Ben, vous pouvez continuer à déplier, boum, boum, boum. Et puis là, en fait, quand il va déplier le papier, en lettres de feu, entre guillemets, comme si le papier avait été découpé par la flamme, il y a l'inscription du 4 de carreau qu'il a choisi en plus. Donc ça reste spectaculaire parce que c'est original déjà. Voilà, c'est on a retrouvé la carte. Donc, ça reste tout simplement qu'un simple forçage. Hein. Mais les gens, forcément, ne le connaissent pas. Et en plus, la boulette est reconstituée. Donc là, c'est. Il y a double climax. Ce qui est bien, c'est que t'as rien dans les mains, t'as pas d'empalmage à faire, t'as pas ben, de. C'est ce qui fait la différence du papier de vérité de Durati, où on était obligé de charger quelque chose à un certain moment. Alors que là, c'est. Regardez la vidéo sur internet, vous allez voir, je le fais, donc ça, il y a de ça maintenant peut-être, allez, je dirais 4 ou 5 ans, et vous allez voir, mais c'est ultra, ultra clean. Cet objet-là travaille tout simplement pour vous. Voilà. Donc c'est. C'est vraiment, vraiment très, très bien. Donc, ceux qui aiment ces types d'effets, bah, allez-y. Alors, en plus, ce qui est très bien sur cet effet, alors, on va dire, c'est pas un effet que vous allez faire de table à table, quand même. Hein. Voilà, ça, c'est... si je dois reprocher quelque chose... sauf si vous préparez vos petits papiers à l'avance, mais c'est rigolo, si vous finissez une table, vous ne mettez pas dans la poche pour aller faire une autre. Ça, c'est pas possible, il faut retourner dans votre mallette ou vous l'avez posé dans une autre pièce ou n'importe où, le recharger, revenir. Alors, ça va très très vite, hein. D'ailleurs, c'est ce que je faisais moi, hein. J'avais plein de papiers avec des cartes qui étaient déjà prédécoupées dans ma mallette, et quand je voulais le faire à une autre table, je repartais de manière. Souvent, on fait des tours, on repart, puis on revient, ainsi de suite. Mais donc voilà, tout simplement, donc ça c'est ce que je voulais dire. Donc c'est pas du reset instantané. Et je voulais dire un truc, je me rappelle plus. Oui, voilà. Et ce qui est très beau en plus dans cet effet, c'est que c'est extrêmement visuel. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes comme ça, que donc les papiers, donc les gens eux-mêmes, vous êtes debout, il faut imaginer ça en close-up ou en cocktail, hein, vous êtes debout, les gens mettent les papiers dessus, vous leur faites tenir ou pas. Hein, souvent, moi, les gens, comment ils sont, s'ils ont un verre dans la main, machin comme ça. Je le tiens moi, pourquoi ? Parce que avec la flamme, alors j'ai jamais eu le cas où la personne a lâché, mais c'est pour ça que je leur préviens bien avant qu'il va avoir une grosse flamme, parce que quand vous tenez ça ici, la flamme, limite, elle vous envahit jusqu'au doigt. Et c'est vrai que ça peut faire peur, hein, les gens connaissent pas le papier flash, hein. Donc ça peut faire effectivement peur et ils peuvent tout lâcher. Donc s'ils lâchent tout, ils vont rien casser, mais du coup ça tue le tour. Donc suivant moi, dans les conditions comment c'est et tout, c'est moi qui le tiens, c'est eux qui enflamment, hop, d'un coup je... Et donc du coup, comme ça fait une grande flamme, eh ben... Tout le monde voit cette flamme, parce que ça fait quand même une flamme, une feuille de 5 par 7 mis comme ça, compressée, ça fait une belle flamme. Donc voilà, visuellement, c'est très beau. Et du coup, hop, tout de suite, on sait que c'est forcément vous le magicien, hein, vous faites apparaître une grosse flamme et tout ça. Donc du coup, voilà, ça s'appelait énormément, c'est un bon visuel. Donc c'est pour ça que je trouve que cet effet est vraiment, vraiment, vraiment très très bien. Voilà. Donc, oui, comme tu l'as dit, il faudra du papier flash. Je mettrai un lien pour dire carnet ou papier, on verra. Ils choisiront ce qu'ils veulent et après. Alors, pas carnet, parce que carnet ça fait un peu petit quand même. D'accord. Donc, plutôt papier. Ouais. Grande feuille, d'accord. Plutôt feuille de papier et ça sera eux qui se découpent leur papier à l'intérieur. Et après, on expliquera tout encore en français, comment ça fonctionne avec tous les petits détails. C'est ça ? Exactement. Bon, ben voilà. Voilà, donc... Oui, t'es content ? Ben ouais, ben au moins on l'a fait, mais bon, de toute manière, on n'en a pas beaucoup. Donc encore une fois, c'est... Il n'y en a pas beaucoup qui connaissent et qui le font, ce truc. Ben, parce que tout simplement, il n'y a pas de vidéo, hein, en fait. Hein. Ouais. Ça fait maintenant combien de temps qu'on connaît ça ? Je dirais facile 9 ans, 10 ans, ouais, 10 ans, plus que ça même. Et j'ai jamais vu de vidéo ni de Dindil,
ni de Joe Porper qui l'ait fait, ni d'autres magiciens. Donc pourtant, on a le nom exact. Alors, est-ce qu'ils l'ont appelé d'une autre façon? Mais j'ai jamais eu de vidéo sur le net. Je crois que la seule vidéo qui existe, je veux pas m'avancer, mais à 98%, c'est la nôtre. Donc voilà, donc il y a moi que vous pouvez faire. Je suis passé sur YouTube. Oui, j'ai mis, bien sûr. Elle y est, donc voilà. Voilà, donc moi, un tour que j'affectionne particulièrement, donc je rappelle, c'est donc Flash Restauration de fabrication de Joe Porper. Voilà, allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre effet.